Vivre. N'est-ce pas là une école où on apprend le détachement? Et le détachement ultime, c'est la mort. En fait, la mort arrive, elle n'est jamais prévue. Mais on n'a pas le choix. Il faudra y aller. Et nous ne pensons pas que la mort peut arriver. Nous n'avons jamais cela en tête. Ce que nous avons, c'est l'occupation de ce qui va arriver, de comment on pourra faire, de se projeter toujours. Mais le jour où la mort te prend, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Et ça arrivera, que tu l'aimes ou pas. Alors c'est quoi vivre alors? Peut-on comprendre c'est quoi vivre? Quand tu es attaché à tout ce qui t'entoure et que tu as peur de perdre tout cela, ça veut dire que demain pour toi a beaucoup d'importance puisque tu t'es attaché à ces choses et tu veux en jouir. Et jouir, c'est tous les jours que tu veux. Donc demain devient aussi important que le moment où tu le vis maintenant, puisque tu n'en auras jamais assez. Est-ce cela vivre? Mais c'est quoi vivre alors? Est-ce que mourir, c'est vivre? Mourir, tout ça. Ne plus les avoir, ne plus concocter rien pour ce que demain sera. À ce moment-là, y aurait-il quelque chose qui se passerait, qui ne soit pas dans le domaine de ce que l'on peut projeter? Est-ce que là, il y a quelque chose à vivre? Mais pour savoir ça, il faut que tu meures à toute l'activité que tu as prévue. La vie que tu aimerais avoir, il faut qu'elle soit abolie de ton activité de tous les jours. Il faut que tu arrives à voir que ce que tu vis là, c'est quelque chose qui appartient à un mental qui veut exister. Ce mental veut exister pour ne pas disparaître. Là, il y a une entité qui appartient au passé, qui veut perdurer le passé. Mais est-ce cela vivre? Avant de mettre le pied dans la tombe, si tu peux faire cesser tout ça, toute cette activité, c'est-à-dire que ton esprit soit libre de toute demande pour pouvoir jouir de privilèges, de choses que tu peux gagner, de choses que tu peux avoir pour te sentir bien, pour te réconforter. Alors quand cette vie que tu voulais avoir n'existe pas, alors il y a quelque chose qui meurt. Cette vie que tu voulais avoir, qui n'existe pas. Tu as compris que elle va mourir. Et elle doit mourir. Et à ce moment-là, existe la vie. C'est-à-dire, cette quiétude, ce silence, la paix d'esprit. Là, l'esprit peut opérer. Et elle opère avec ce que la vie est. La vie donne un fonctionnement à l'activité de l'homme et de la femme. Un fonctionnement qui ne vient pas de la mémoire de ce qu'on voudrait garder, de toute l'activité
de courir derrière ce qu'on aimerait avoir, ce désir que l'on a à toujours chercher et ne jamais être satisfait. Quand cela cesse, quand tu décides que là, tout ça doit mourir et tu laisses tomber, alors la vie existe. Donc cette mort, la mort de toute l'activité cérébrale, je dirais, qui fait que tu passes du coq à l'âne, de pensée en pensée, pour pouvoir s'activer, pour faire exister le monde que tu aimerais, tout ça reste calme. Il ne fait plus rien. L'esprit est en paix. Ça, c'est la vie. Là, la vie est. La vie se meut. La vie se manifeste à travers ce silence. Autrement, il n'y a pas de mots. La mort, c'est quand tu cesses de courir. Tu meurs à ça. Tu meurs à cette envie de vouloir plus. Constamment dans la recherche, dans la quête. La quête d'un nirvana, quelque chose qui va arriver. Tout ça, c'est l'activité d'un esprit occupé, tout ça. Et cette occupation fait en sorte que tu ne sais pas c'est quoi véritablement être présent à ce que la vie propose. Et la vie, elle est présente seulement dans ces moments où tout disparaît, tout meurt. Donc, pour vivre, il est nécessaire de mourir. Mourir à toute cette activité que nous avons prévue, la vie que nous voulons gagner, l'ambition que nous avons d'atteindre. Parce que tout ça fait de la vie un enfer. La vie n'est pas vécue là. Seul l'esprit en paix peut comprendre c'est quoi vivre. Et quand tu comprends avec un esprit calme, passible, paisible, silencieux, ça veut dire que tu n'as plus la tracasserie de devoir chercher à faire des choses pour que tu puisses exister. À ces moments-là, il y a la vie. La vie utilise justement cet esprit vide pour pouvoir exister, pour pouvoir se manifester. Et là se manifeste la paix, l'amour, la joie d'être, qui donne l'ambiance où on a envie de s'aimer. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est l'ambiance qui est donné pour que on puisse vivre en paix ensemble. La vie, elle fait ça. Mais toute la tracasserie que tu as tous les jours dans ta tête pour vouloir atteindre quelque chose crée beaucoup de divisions dans le monde et ne crée pas ce que la vie propose. Elle crée la mort de la joie, la mort de ce que la vie propose. Donc, mourir, c'est vivre. Et vivre, c'est mourir. C'est bien là toute l'importance d'une vie, c'est de ne pas s'attacher à ce que le passé propose, à l'histoire que l'on a vécue. Pouvoir se détacher d'instant en instant et mourir à tout ce qui s'est attaché à soi. Pour pouvoir vivre, en fait, ce que la vie propose.
Et quand tu vivras cela, quand tu seras le vivant, alors tu sauras que la mort n'existe pas. Et tu sauras qu'est-ce qui va se passer quand tu mourras avec ton corps physique. Tu sauras. C'est ça la vie. La vie, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Donc tout ce qui se passe, c'est seulement la vie. Et la mort, quelque part, elle n'existe pas. Puisque tout est éphémère et n'a pas d'existence, mais tu t'es juste attaché à ça. Donc, tu es mort, puisque tu n'es plus dans la vie. Et la vie, c'est la découverte de toute cette activité qui s'appelle le silence, l'activité qui s'appelle la paix, où plus rien ne dérange la vie qui se meut autour de nous. Les oiseaux chantent, les forêts grandissent, les choses se passent avec harmonie, parce qu'il n'y a plus rien qui est fait pour que demain soit meilleur. Demain, c'est la destruction pour pouvoir avoir ce que l'on aimerait avoir. Et ce que l'on aimerait avoir, c'est à l'encontre de ce que la vie est. C'est-à-dire qu'il y a là une machine inconsciente qui fait des choses et qui détruit ce que la vie propose. Tout est banalisé. La beauté est banalisée. La vie elle-même, elle est banalisée. Tu ne sais même plus qu'est-ce que c'est vivre. Qu'est-ce que c'est d'être joyeux, d'être heureux, d'être vrai, d'être terriblement sincère avec tes expressions. Ton expression est entachée de ta vie que tu aimerais avoir. Mais une expression qui n'est pas entachée de cela, c'est une expression qui respire de l'amour, de la beauté, de la joie. Parce qu'il n'est pas attaché à rien. La mort fait peur à beaucoup de gens parce que à ce moment-là, il faut mourir. Mourir à ce qui nous donne une existence. Et qu'est-ce que c'est cette existence que tu as là, si ce n'est que les problèmes que tu as? Tous les problèmes que tu t'es fabriqués te font exister dans le rôle que tu joues pour faire exister tous ces problèmes-là. Je suis un père de famille, je suis une mère, je suis un professeur, je suis le président, je suis ceci. Et toutes ces activités-là convergent à faire en sorte que l'activité ne s'arrête pas. Et on est tout le temps en train de croire que tout ça, c'est soi-même. Mais ce que tu es là, c'est rien d'autre qu'une activité qui se joue, un mécanisme qui se joue sans la présence de ce qui est vivant. La vie n'est pas là. C'est seulement quand il y a la vie que toutes ces choses prennent un sens, que tout ce qu'on fait prend un sens. Mais quand il y a l'occupation mécanique habituelle, le train-train, tout ça, ça se répète et se répète et se répète. Ça n'a plus de sens. La vie doit être là pour que ça donne un sens à tout ça. Et la vie se vit toujours d'instant en instant, parce que le lendemain n'existe pas pour la vie. Tout se passe maintenant. C'est maintenant qu'on est vivant. Et le vivant change tout le temps. Donc tu dois être prêt à mourir tout le temps pour pouvoir rester sur la vague de la vie qui coule tout le temps. À partir du moment où tu stagnes,
où tu ne veux pas, tu résistes à ce que tu as, alors la vie s'en va et tu restes là, inerte, à te mouvoir comme une machine, sans but. Et tu te donnes l'impression d'avoir un but, un sens, pour pouvoir faire ainsi. Mais là, tu es déjà mort. C'est peut-être ça, la vraie mort. À considérer que si tout ça n'est pas vivant, c'est mort. Et toute cette mort est l'illusion de soi-même, parce qu'on croit que ça, c'est la vie. On se donne de vivre cela. Tous ces problèmes, ces histoires, ces batailles, ces guerres, c'est tout ça. C'est parce qu'il y a un mécanisme qui est inerte et qui réagit aux événements qui se jouent sans conscience, sans la présence de la vie. La mort n'existe pas. C'est que la vie qui existe. Et tu es voué à aller dans le sens où la vie propose. Et pour aller dans le sens où la vie propose, tu dois abandonner la vie que tu aimerais avoir. C'est-à-dire mourir à tout ce que tu as acquis. Tout ce que tu as doit mourir. Tes idées, tes tendances, ta religion, tes croyances, tout ça, ça doit mourir pour que la vie puisse exister. Parce que la vie, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Et tout ce que tu as comme idée, comme image, comme concept, ce sont des choses matérielles auxquelles tu t'attaches. Et celui qui s'attache, c'est la mémoire d'un mécanisme qui se répète. Tu deviens la répétition de la mémoire qui a été engrangée. La vie, elle est au-delà de tout ça. Vivre ce que la vie propose, c'est donc la mort de tout ce qui est faux.